j'ai échangé mon corps avec celui de Verity. Je suis Chelsea, mais je suis dans un corps d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il ne veut plus bouger, il ne veut plus partir. Je vais le prendre et je vais le montrer à Verity. Et on va briser le sortilège. C'est quoi ça? Je vous rappelle qu'on a un gros problème. À cause d'Halloween, j'ai échangé mon corps avec celui de Verity. Ça veut dire que c'est pas Verity que vous voyez en ce moment, c'est Chelsea. Je suis dans le corps d'un enfant de 11 ans. Et je sais pas comment en sortir. Je sais pas comment briser le sortilège. Le sortilège, vous avez bien compris, c'était le sortilège d'Halloween. Ce sortilège d'Halloween a fait que je me transforme en enfant de 11 ans. C'est n'importe quoi et ça peut faire de graves conséquences. Imaginez si vous étiez dans le corps de vos parents du jour au lendemain. Par exemple, moi, je suis Chelsea, mais je suis dans un corps d'enfant. Plus personne ne me fait confiance. Alors que j'ai mon travail d'adulte à faire. Là, par exemple, je dois aller à la laverie pour nettoyer tous les doudous de Tia. Mais de toute façon, le plus important, c'est de trouver ces casse-noisettes d'Halloween. C'est ça qui est important. Briser le sortilège et trouver nos vrais corps. Allez, on y va. Plus tard. Bon, c'est bon, j'ai trouvé la laverie pour laver tous les doudous de Tia. C'est bon, je rentre à la maison pour voir mes deux filles, Verity et Tia. Ouh, je pourrais leur prendre une gaufre au chocolat ou bien des chips. Non, c'est pas bon pour la santé. Et là, on essaye de manger sain. Mais où est-ce que je vais trouver ce casse-noisette? Non. Attends. C'est le casse-noisette. Attends. Mais je rêve ou quoi? Mais il est passé où le casse-noisette qui pouvait casser le sortilège? Mais non, il est passé où? Oh là 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 là. Bon, si ça se trouve, j'imagine des choses. Bon, allez, je continue à chercher. Tout ça et ce changement de corps commencent à me rendre malade. Oh, je vais essayer d'un peu de me relaxer. C'est le casse-noisette encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça qui va briser le sortilège. Faut vite que j'aille le chercher. J'ai cru que je l'avais trouvé. Et maintenant il est plus là. La seule chose qui aurait pu briser le sortilège. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu et maintenant c'est parti. Comment je vais faire? Oh, le casse-noisette d'Halloween. C'est pas possible. Bon, tout ça me donne mal à la tête. Et en plus, il commence à pleuvoir. Je vais aller à la pharmacie pour trouver du Doliprane. Et d'ailleurs, je dois prendre du Doliprane pour vérifier. Tiens, on a oublié de le prendre depuis le déménagement. Plus tard. Non, attendez, les enfants, là, je suis dans le parking de la pharmacie. Non, là, je peux pas, je dois y aller. Ah, vous avez faim? Ok. Bon, je vais aller à Carrefour et je vais voir ce que je peux vous prendre pour le repas du soir. Des bonbons. D'accord.
Voilà, tout de suite. Bisous. Les amis, si vous savez comme c'est difficile de vivre dans la peau d'un enfant quand on est un adulte, eh ben, c'est super difficile. Les gens me regardent comme si j'étais un enfant alors que je suis une adulte. Qu'est-ce que je prends? Des pâtes, voilà. Ah oui, il n'y a plus de ketchup. On a assez de sacs poubelles. Le casse-noisette, qu'est-ce qu'il fait là? Là, il veut plus bouger, il veut plus partir. Je vais le prendre et je vais le montrer à Verity et on va briser le sortilège. J'espère que ça a vraiment marché. Hein. J'espère que tu vas enlever ce sortilège. C'est où l'ascenseur? C'est là, non? Ici. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur est condamné et on peut plus aller en haut. Et c'est quoi ça, cette scène de crime? Et c'est quoi cette main? Ça fait peur. Oui, apparemment, c'est une vraie main. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi ça? Info? Faut téléphoner? Bon, je vais vite téléphoner au numéro pour voir ce qui se passe. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Comment puis-je vous aider? Bonjour. À côté de mon ascenseur, il y a une main à moitié coupée avec une scène de crime et avec des barrières et je peux plus monter dans mon appartement. Qu'est-ce que je fais là? J'ai très peur. Et ça fait peur cette main, pourquoi vous l'avez pas ramassée? Oui, ici le commissariat de la ville de Toulouse, bonjour. En fait, on a été appelé cet après-midi parce que l'ascenseur, apparemment, s'est refermé sur une personne et lui a coupé la main. Oh, la pauvre personne! Mais... d'accord, mais comment je vais monter maintenant? Alors, il ne faut pas monter car l'ascenseur est dangereux, apparemment. Il a la mauvaise habitude de se refermer sur les personnes qui rentrent dans l'ascenseur. Là, on n'a malheureusement pas pu prendre la main de la personne, car nous n'avions pas les outils techniques pour transporter cette main. Voilà. Est-ce que vous pourriez est-ce que vous avez chez vous un seau ou quelque chose? Mais non, attendez, monsieur, je vais pas prendre cette main moi-même. Que vous le faites vous-même, désolé. Allô? Et que je prenne cette main moi-même. Non, je ferai jamais ça. Bon, où sont les escaliers? Oh, là, je cherche l'escalier pour trouver mes deux filles, Tia et Verity. Non. C'est pas ici.
ça sent mauvais ici. Là, c'est ouvert. Bon, je vais rappeler ce service d'info pour leur demander comment je vais faire parce que là je suis complètement condamnée en bas. Et j'ai mes deux filles toutes seules dans l'appartement. Comment elles vont faire sans moi? Bon, c'était le numéro. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, je vous rappelle, mais s'il vous plaît, comment je vais faire? J'ai essayé toutes les portes en bas et il n'y en a aucune avec des escaliers. Comment je vais faire pour monter? S'il vous plaît, mes deux filles sont en haut dans l'appartement, comment elles vont faire? Oui, comment puis-je vous aider? Bah, je viens de vous expliquer. Je vous ai appelé il y a 5 minutes et vous m'avez dit qu'il y avait une scène de crime et voilà quoi. Mais comment je vais faire pour remonter maintenant? Écoutez madame, je ne dois pas du tout trop vous parler. Monsieur? Vous n'avez jamais appelé, madame. On conserve l'historique de tous les appels et là, il n'y a pas votre numéro qui s'affiche. Quoi? Mais... Qu'est-ce qui se passe, madame? Essayez de reprendre votre souffle, respirez. Je vous ai appelé il y a 5 minutes concernant la scène de crime dans l'ascenseur. Il n'y a pas de scène de crime à votre adresse. Mais je deviens folle ou quoi? Je suis sûre que c'est un rapport avec le sortilège. Mes deux filles sont juste bloquées en haut dans l'appartement et moi je suis dans la cave. Et personne ne peut descendre, personne ne peut venir pour m'aider parce que l'ascenseur est condamné. À cause d'une scène de crime, l'ascenseur a mangé la main de quelqu'un. Quoi? Mais ça a disparu. Qu'est-ce qui se passe? C'était une illusion? J'ai été dans la cave pendant trop longtemps.